les conseils de protégez-vous pour tester la charge de votre batterie. Si vous remarquez avec votre véhicule que vous avez de la difficulté à démarrer, ou si vous pensez que votre batterie est basse, ben, ce serait le temps de vérifier son voltage. Donc, tout d'abord, il va falloir trouver la batterie. La plupart du temps, on va retrouver la batterie sous le capot. Dans d'autres cas, aussi, on pourrait la trouver à l'intérieur du véhicule ou dans la valise. Pour cette opération, nous aurons besoin d'un multimètre numérique. Avant de prendre la mesure pour vérifier le voltage de notre batterie, il faut s'assurer qu'on n'a pas de bague et pas de bracelet pour ne pas être conducteur. Bien identifier, toujours, la borne négative et la borne positive. Pour vérifier notre batterie, on va avoir besoin d'un appareil qu'on appelle le multimètre. Le multimètre nous permet de vérifier plusieurs mesures, dont le voltage, l'intensité, l'ampérage et la résistance. Dans notre cas, on va utiliser le voltage et le voltage continu pour la batterie 12 volts. Donc, on met sur l'échelle de voltage et on va prendre notre probe noire pour le mettre sur le noir, sur le négatif, et le positif, le rouge, et il va nous indiquer le voltage de notre batterie. Voltage affiché, 12.31. Une bonne batterie, pleine charge, se situe entre 12.3 et 12.6 volts. Si nous avons 12.10 et plus bas, on va devoir recharger la batterie. Une fois qu'on s'est assuré que la batterie est en bonne condition, on va devoir s'assurer aussi que l'alternateur ou le moteur recharge la batterie. Donc, on va faire une vérification sur le véhicule avec le moteur en marche. Donc, on va démarrer le véhicule et on va vérifier si le système de charge fonctionne. Donc, une fois qu'on a constaté le voltage et qu'on se situe entre 13 et 15 volts, en général, c'est la majorité des véhicules se situent à l'intérieur de ce voltage-là, on a un bon système de charge. Si vous vous situez sous le 13 volts ou au-dessus du 15 volts, je vous conseillerais d'aller consulter soit un garagiste, soit votre concessionnaire pour voir si vraiment il n'y a pas un problème sur le véhicule.